carnaval, c'est une coquine chaîne manifestation populaire, folklorique et culturelle qui rassemble le monde. Il permet nous rester une avec l'autre, nous venir beaucoup plus solidaires. Et c'est dans ce sens-là, nous te dit que c'est important pour nous gagner un thème qui réunit tout le monde, qui réunit nous, une avec l'autre. Et le thème, ça, lui-même, c'est le thème qui, pour le carnaval 2016, là, c'est Haïti tout le temps. C'est un thème, capable de dire, qui fait appel à la considération de l'intérêt collectif. C'est un thème qui permet de nous rester côte à côte pour nous capables de penser, pour nous capables de rester tête posée, pour nous capables de Haïti plus frais. Date carnaval a déroulé pendant 3 jours, 7, 8 et 9 février, la fête Port-au-Prince. Et avec un peu de plaisir, ma pauvreté dit nous que nous sommes conscients que le carnaval là, c'est une industrie. L'hypothé emploi à plusieurs mondes dans le secteur culturel là. Nous sommes conscients tout que le carnaval là, nous supposons tout de suite après l'événement, pendant 3 jours, nous supposons travailler pour nous capables de penser à l'autre carnaval l'année prochaine. Dans ce sens, nous-mêmes, dans le ministère de la Culture, nous décidons de mettre sous pied pour nous capables de garantir des filets artistiques et culturels, ça, les carnavals là. Nous gagnons, en tant que ministère de la Culture, nous gagnons une unité de gestion du carnaval qui est là pour définir pendant 5 prochaines années la vision du carnaval pendant les 5 prochaines années. Nous connaissons justement carnaval là son période traditionnelle pour attisio tirer portrait société a dans toute dimension li dans beauté li dans laideur li. Alors l'État haïtien gagne obligation pour toujours ajuster quelles que soient les circonstances pour l'accompagner peuple là dans gros événement culturel folklorique traditionnel ça. Alors en ce sens et l'État a gagné pour le faire face à tout ça qui concernait population, la tradition, l'engagement, l'histoire. Et en ce sens, c'est nous très conscients en tant que gouvernement pour nous faire face à ça nous gagner comme responsabilité, quel que soit temps n'a pas assumé responsabilité ça, un jour, un mois ou un an. Et c'est ça l'État. Et au-delà de nous-mêmes, il y a l'autre monde pour aller pour assurer la continuité. À moins dit ça parce que justement, nous connaissons préoccupation pays a, je dis à l'y traverser par plusieurs courants de sensibilité sociale et politique. Et côté n'a pas là, n'a primature là, une grosse réunion qui a déroulé sous un gros tête chargée. Gagné 3 500 000 Haïtiens qui jodi a dans situation d'insécurité alimentaire, un problème grand goût dans pays a. Et gouvernement obligé de tenir compte de ça, son situation de sécheresse qui affecté en quarantaine de communes pays a. Et gagné des côtés moun yo vraiment dans situation difficile pour yo manger. C'est vrai gagné problème politique, mais justement politique la fête pour créer conditions pour faire face à problème ça yo. Et nous connaissons ce qui s'est passé hier, gagnant une situation de revendication justifiée qui fait un bateau touriste qui est obligé de casser tête tourner. Et depuis hier tout, le gouvernement prend des dispositions pour résoudre le problème. Non, nous besoin de touristes là, justement, pour un job, pour comment entrer dans le proche peuple là. Nous besoin tout, prendre soin de la population qui gagne des revendications. Il faut concilier tous les aspects qui concernaient la vie des Haïtiens. Et c'est justement le rôle de l'État, quelle que soit force ou faiblesse, avec humilité, nous déterminer pour nous faire face.